Poignée de main, quelques mots échangés. Ce dimanche matin, Claude Bartolone part à la rencontre des habitants d'Argenteuil. Sur le marché, le candidat à la présidence de la région Île-de-France compte marquer des points. Un nouveau sondage le place en seconde position derrière Valérie Pécresse. Le président de l'Assemblée nationale compte bien inverser la tendance d'ici décembre. Moi, je dis aux militants et aux électeurs, le meilleur sondage, c'est vous, le jour du vote. Et le reste, on s'en fout. Avec les candidats et les militants, on est en train de pousser un coup de clairon et dire aux électrices et aux électeurs de gauche, voilà, si jamais vous ne venez pas voter, ce sera une politique différente qui sera appliquée à la région et ce sera un coup porté au travail qui a été fait par la gauche, les écologistes, toute la gauche d'ailleurs. Tract en main, les partisans de Claude Bartolone informent les habitants de la venue du candidat sur le marché, mais aussi sur les élections, les 6 et 13 décembre prochains. Bonjour monsieur. Claude Bartolone pour les élections régionales. Après quelques selfies, il est temps de continuer la tournée. Objectif revendiqué, faire connaître aux habitants l'enjeu des élections régionales pour éviter une abstention fatale au candidat Claude Bartolone.